Et Willie Wall sera présenté également au premier poteau. Et Willie Wall, c'est un cheval qui est pas très heureux. Pourtant, vous avez annoncé récemment qu'il courait tout de même bien à chaque fois. La dernière fois, non, il courait super bien. Il y a eu une petite gêne dans le dernier tournant. Gabi m'a mis un peu la roue dans les pattes. Ça me coûte la 3-4e place, parce que le cheval était encore compétitif, quoi. Bon, l'occasion est belle pour se pleinement se racheter, j'ai envie de dire. Bah ouais. Ouais, puis là, je leur défaire des 4. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas redéféré. Donc, pour essayer de monter un peu en puissance. Mais non, le cheval est bien. L'entraînement, tout laisse penser qu'il peut nettement se réhabiliter. On ne l'a pas vu à son avantage depuis son arrêt, finalement. Ouais, bah après, parce que c'est un gros cheval. Je pensais qu'au travail, il était bien les premières courses de rentrée. Et puis finalement, au cours, ce n'était pas ça. Il avait besoin de compétition. Et là, le cheval revient vraiment bien. Hein. Il retravaille très bien. Donc, pas de soucis. Entre les deux chevaux, est-ce qu'il y a vraiment un gros écart? Non, parce que le Paso Blue, il a, depuis 5 mois, il a vraiment passé un sacré cap. Donc, à poteau égal, non, il n'y en a pas un des deux qui se détache plus que l'autre.